Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bon après-midi du côté du Cameroun. Toutes les villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Ibolova, etc., etc., etc. J'espère que le son il est bon. Alors, si vous êtes en place, on va très rapidement commencer ce direct. Donc voilà, je vais attendre encore quelques petites minutes, le temps que tout le monde soit connecté. Donc une fois de plus, je vous souhaite à tous une très très bonne arrivée. Soyez les bienvenus. Voilà, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors dans quelques secondes, je vais très rapidement lancer le direct. Pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux depuis, je crois, 2017, 2017 c'est bien ça, je n'ai pas souvent l'habitude de m'exercer en fait dans ce registre-là. Donc c'est l'une des rares fois auquel voilà, que je prends pas. Donc voilà, connectez-vous, connectez-vous. C'est un direct très très explosif comme je l'ai annoncé. Il s'agit, n'est-ce pas, comme je l'ai tantôt annoncé dans le titre de ma publication précédente. Je vais relire, n'est-ce pas, ce qui était écrit dans ma publication précédente. Alors, j'ai dit que ne ratez pas le direct explosif de Nzumanto ce jour sur la page Facebook lorsqu'il sera 16h30 minutes, heure du Cameroun. Alors, je m'excuse déjà d'être arrivé avec quelques minutes. Je crois une trentaine de minutes de retard. Donc, voilà, j'avais quelques petits soucis. Il fallait que je les règle avant. Donc, voilà, je disais tantôt que le patron de 1XP Cameroun, le nommé Kouadio Steven Bienou, est à la tête d'une pègre au cœur de plusieurs enlèvements, les trafics d'influence, corruption de la justice, meurtre suspect d'une gamine. Et voilà. Et enfin, j'ai clôturé cette publication en disant que la personne, ceux qui me suivent, connaîtront, n'est-ce pas, le chemin qui mène à la vérité. Alors, en guise d'introduction de mon direct, il faut qu'on soit très bien clair. Il ne s'agit en aucun cas de vouloir, comme j'ai un peu pu bien le lire dans les commentaires de ma publication précédente, que je voulais m'attaquer à Muriel Blanche, ce qui n'a complètement rien à voir, ce qui est totalement faux. Alors, à chaque fois qu'il y a des cas d'injustice, j'interviens. Je ne suis pas la seule personne à intervenir. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent quand il s'agit des cas d'injustice, de violations de droits, etc., etc. Donc, il y a de cela, je crois, 2 mois, j'ai été saisi par une source anonyme concernant Monsieur Kouadio, comme je l'ai tantôt rappelé, qui est le responsable de l'entreprise 1XP Cameroun, en fait. La source qui m'avait saisi faisait état de ce que l'individu en question était impliqué dans des pratiques pas très nettes avec l'un de ses anciens collaborateurs. Une information qu'à l'époque, je n'avais pas jugé nécessaire, en fait. Je n'avais pas jugé nécessaire et je n'avais pas relayé l'information parce que je me disais que voilà, c'est un problème entre deux anciens complices qui se sont gâtés. Et voilà, quand ça a commencé, je n'étais pas là. Et donc, quand ça va finir, il faut qu'ils s'arrangent entre eux. Mais par la suite, il y a eu d'autres révélations, d'autres sources aussi qui sont arrivées. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours pris toutes les informations que j'ai toujours véhiculées dans les réseaux sociaux. Je prends toujours le soin de les accompagner par des preuves. Voilà, par des preuves. Je ne suis pas un vouvouzéla. Je ne suis pas, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un vouvouzéla. Le buzz, en fait, la visibilité, ce type de visibilité, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne parle qu'avec des faits. Des faits et des faits, c'est ce qui m'intéresse. Alors, en guise d'introduction, je m'en vais tout de suite vous lire un message
C'est le message d'un certain Kwasi. Je vais très vite lire le message qu'il m'a fait parvenir. Donnez-moi quelques petites secondes si vous le voulez. On va lire très très rapidement avant, n'est-ce pas, de voilà, d'engager le vif du sujet. Voilà, quelques petites secondes. Voilà, j'y arrive. On va lire son message. Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une opération de kilaf, il ne s'agit pas d'une opération de soit de vouloir blanchir l'un de ses anciens collaborateurs, soit lui-même, n'est-ce pas, de l'accabler. Donc, comme je le disais tantôt, il s'agit pour moi de dénoncer les pratiques que le représentant de 1XB Cameroun engage à l'abri des regards. Alors, on va très vite lire son message. Il s'appelle Kwasi. Lisons très rapidement. Je suis un jeune ingénieur ivoirien. Je fais mes études à Moscou de 2010 à 2018. J'obtiens 2 diplômes d'ingénieur. Alors, le message, il est là. Voilà. J'obtiens 2 diplômes d'ingénieur. Un premier diplôme d'ingénieur en géologie pétrolière et minière obtenu en 2016. Un deuxième diplôme d'ingénieur en management et gestion d'entreprise obtenu en 2018. C'est donc avec le second diplôme que j'obtiens un boulot au siège central de l'entreprise 1XB à Moscou. En 2018, face à mes compétences, le top management russe décide de m'offrir mon premier emploi avec pour résidence le Cameroun, un pays que je découvre pour la première fois le 15 août 2018 en qualité de directeur clientèle et marketing chargé de la zone Afrique francophone. Mes problèmes commencent le 2 juillet 2022 quand un de mes employés dérobe 8 737 000 francs CFA dans le compte de jeu d'un client que je découvre et décide de porter plainte et d'informer Bienou Steven, le show gars de Muret Blanche. Hein? Le couple là qui s'est marié le 2 septembre 2023 à Zanzibar, qui est une île, n'est-ce pas, en Tanzanie. Ah, ils se sont mariés, ils ont obligé que tous les invités qui étaient là n'aient pas de téléphone. Mais ça, c'est un détail, c'est pas le sujet qui est à l'ordre du jour. Donc, on continue. Je découvre et je décide de porter plainte et d'informer Bienou Steven, représentant sur papier de l'entreprise et non directeur exécutif. Je lui propose le problème survenu dans mon département, demandant son aide pour qu'il me dirige vers un commissariat, comme je suis étranger et je n'ai jamais été confronté à un tel problème depuis que je suis au Cameroun, pour mettre la main sur l'emploi et faire appel au client et lui remettre son argent en lui présentant les excuses de l'entreprise. Le 3 juillet 2022, je dépose une plainte au commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé contre l'employeur voleur. On se comprend. Quand je dépose la plainte, un des commissaires me demande la somme de 500 000 francs CFA pour que l'enquête puisse vite avancer afin de vite mettre la main sur l'emploi avant qu'il ne fuit. Dans le souci de trouver une solution, je suis obligé de verser la dite somme, c'est-à-dire les 500 000 francs CFA, car j'avais peur que ma hiérarchie à Moscou soit au courant avant que je mette la main sur l'emploi, car concernant les Russes, il m'aurait demandé de renvoyer tous les employés sur le champ et je voulais préserver l'emploi de 119 Camerounais car j'avais recruté moi-même 120 Camerounais en leur offrant ce travail. À ma grande surprise, chose étrange, le lendemain, l'un des commissaires me fait appel et me demande de venir avec ma carte de séjour et mon contrat de travail. Chose que je fais. Une fois sur les lieux, ils me disent que ma carte de séjour est une fausse. Étonné, je leur fais comprendre que c'est impossible car ma carte a été signée par la DGSN. Ils m'ont intimidé car ils ont vu que j'étais étranger et ils m'ont encore demandé une somme de 500 000 francs CFA. Ça fait 500 000 francs CFA, deux fois. La première fois, on lui a dit que si tu veux que ton dossier il avance, un commissaire, tu déposes 500 000 francs CFA. La deuxième fois,
Ils lui ont demandé 500 000 francs CFA pour qu'il puisse, voilà, pour qu'il puisse régler sa carte de, son problème de carte de séjour. Étant donné que celle qu'il avait, ils leur ont fait comprendre que c'était une fausse carte de séjour. Pourtant, c'est une carte de séjour, selon ses dits, était établie, n'est-ce pas, par la DGSN. On continue. Pour qu'il puisse me remettre ma carte de séjour, je refuse. Il insiste et me menace. C'est ainsi que je donne encore 500 000 francs CFA, soit environ, soit en, au total, 1 million de francs CFA. On continue, vous me le permettez. Alors, le 6 juillet, il arrive à mettre la main sur l'employé. C'est-à-dire, voilà, les autorités réussissent, parviennent à mettre la main sur l'employé qui avait volé les 7 900 000 francs CFA. Qui, me voyant, se met à pleurer. Donc, l'employé, quand il voit le type, il se met à pleurer. Et me demande pardon en disant qu'il a encore les 7 900 000 francs sur la somme initiale, car le reste, il a dépensé pour les procédures pour l'Allemagne. Donc, il s'était apprêté à prendre une violente et tangente en bain. Voilà. Donc, l'argent est versé au commissaire. Les 7 900 000 francs CFA ont été récupérés et versés chez le commissaire. C'est là-bas que j'ai déposé plainte. Je lis, le message, il est là. Deux jours passent, les deux commissaires de police ne font pas signe pour récupérer l'argent pour que je puisse remettre au client. Je commence à m'inquiéter, je contacte alors une connaissance à la DGSN qui lui fera une descente au commissariat pendant ce temps. L'employé est en cellule. Dès que les commissaires ont vu l'officier de la DGSN, ils ont paniqué sur le champ, comprenant que l'affaire devenait sérieuse. Saisis par la peur, ils sont allés voir un employé en cellule pour lui mentir que j'ai refusé de retirer ma plainte. Donc, il ira à la prison de Koningué. Mais pour éviter cela, il doit mentir en changeant de version et en m'accusant de l'avoir envoyé voler. Donc, pour l'instant, M. Bienou Wadjo n'intervient pas encore. Et tout ce que j'ai énoncé dans les titres de ma publication précédente, ça arrive. Donc, pour l'instant, il était important que je vous situe dès la genèse du problème pour que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre exactement ce qui se passe. Alors, je me suis arrêté où? Voilà, saisi hors la peur, ils sont allés voir l'employé en cellule pour lui mentir que j'ai refusé de retirer ma plainte, donc il ira à la prison de Koningué. Mais pour éviter cela, il doit mentir en changeant de version et en m'accusant de l'avoir envoyé voler. L'employé refuse catégoriquement cette proposition du commissaire de police. Ce dernier va alors passer à tabac l'employé avec la machette sous la plante des pieds. Sous l'effet de la torture, l'employé n'avait pas le choix que de changer sa version en tuant sa conscience pour sauver sa peau. Alors, le lundi 14 juillet 2022, le commissaire Nkomo, Antoine, m'appelle en me disant que je devrais passer au commissariat avec mon épouse camerounaise pour une confrontation avec l'employé, car il déclare avoir reçu l'ordre de ma part ainsi que de ma femme, car ma femme et moi travaillons ensemble naïvement. Je dis ok. Je prends mon épouse et on se rend au commissariat. À ma grande surprise, l'employé change de version, m'accusant de lui avoir donné l'ordre de voler. Et je lui aurais donné l'ordre dans mon bureau, très serein. Je lui dis qu'il a oublié qu'il y a des camarades dans mon bureau. Alors qu'il nous dise quand et comment et à quelle heure j'ai tenu une réunion avec lui dans mon bureau pour que mes techniciens nous fassent sortir la bande vidéo. Pris de panique, il n'arrive plus à parler, mais malgré le commissaire Nkomo Antoine m'arrête avec mon épouse, moi le plaignant, et nous met en garde à vue du 14 juillet au 18 juillet 2022 pour vol en bande organisée, soi-disant, et pour tentative de corruption. Car les 1 million qu'ils m'ont estoqué, ils ont fini par dire que j'ai tenté de les corrompre. Et c'est ainsi que le 18 juillet 2022, avec mon épouse et l'employé, on nous défait au parquet de première instance, centre administratif, chez le procureur Ntiam Koto Florent. Une fois devant le procureur, l'employé se met à pleurer à genoux en demandant pardon devant le procureur et en nous avouant qu'il a été torturé à la machette sous les pieds. Donc face à la douleur, il était obligé de nous accuser. C'est ainsi que le procureur du TPI me libère avec ma femme le lundi 18 juillet. Alors pour terminer, parce que je ne vais pas être très très long, on lit une partie de son texte. Mais chose étrange, pendant que je suis en cellule le 15 juillet 2022, Monsieur Mbienou, hein, le mari de Muriel Blanche,
Mais chose curieuse, chose étrange, pendant que je suis en cellule le 15 juillet 2022, monsieur Mbienou, qui n'est ni mon ami, ni mon patron de près ou de loin, me fait parvenir une lettre de démission rédigée par son avocat en mon nom pour que je signe. Pour que je signe ces lettres afin qu'il puisse plaider ma libération avec mon épouse auprès du procureur. Lettre dans laquelle il me demande de ne pas poursuivre l'entreprise après et de ne jamais réclamer mes indemnités de licenciement abusif car tous les accès de travail avaient été fermés par Moscou suite à un rapport mensonger de Bienou Steven auprès de ma patronne à Moscou. Le nom de la patronne, c'est Yana Chinietova. Donc, j'ai refusé de signer la lettre de démission qui me fut parvenue le 15 juillet. Et c'est ainsi que je sors libéré le 18 juillet avec mon épouse enceinte qui a perdu l'enfant en cellule lors d'une fausse couche. Quand nous sommes libérés, j'appelle ma patronne en haussant le ton sous le fait de la colère qu'elle me fait comprendre que le rapport mensonger vient de Bienou qui a par la suite plaidé pour qu'on mette son frère camerounais à ma place. Chose qu'elle refusa. C'est ainsi que je me rends compte que je venais de subir un complot par Bienou et tenez-vous bien. Qui par derrière pour retirer les 7 900 000 par le biais de son avocat au commissariat, lui qui n'était ni de près ni de loin, c'est lui qui déposa la plainte. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où sont passés les 7 900 000 francs CFA. Mon avocat d'alors dépose une plainte contre les deux commissaires véreux à la DGSN à mon nom. Et aujourd'hui, ces deux commissaires sont en procédure disciplinaire. Alors, je vais lire l'endroit où il dit qu'il a été jeté en prison. Parce que c'est très long le texte. Voilà, c'est presque. Étant dans. Voilà. Lorsque je sors de mon calvaire et je découvre le complot, je me mets à insulter Bienou, les traitants, voilà, des mots, voilà, voilà. Étant dans son pays et voulant montrer ses muscles, il part donc me porter plainte à la Légion des gendarmeries en face du ciel le 10 août 2022, soit un mois après ma première sortie de cellule. Les gendarmes et le garde du corps de Bienou viennent m'arrêter à Bastos, à la maison, en me brutalisant. Cette vidéo, la vidéo de son arrestation, je l'ai et je vais la publier sur la page. Après ma sortie, après ce direct-là. Les gendarmes et le garde du corps de Mbienou viennent m'arrêter à Bastos, à la maison, et me brutalisant une plainte pour diffamation, cybercriminalité, intrusion dans un réseau informatique, dont un montage de choses dont je ne m'y reconnais pas. Je suis encore en cellule du 10 août 2022 au 18 août 2022. Et pendant ce temps, Mbienou fait monter de faux procès-verbaux d'enquête contre moi et pas corrompre les magistrats et présidents des tribunaux pour qu'on m'enferme pour 5 ans. Ce qui est écrit, j'ai toutes les preuves. J'ai les vidéos des montagnes d'argent, des liasses et des liasses d'argent que M. Mbienou, le mari de Muriel Blanche, remettait à son aile de camp, c'est comme ça que je vais l'appeler, à son bras droit, pour qu'il aille corrompre et des juges, et des magistrats, et des commissaires, et des commandants, et des gendarmes, etc. etc. Ces vidéos, je les ai autant pour moi, et elles seront publiées. Alors, je continue. C'est très important que le texte est peut-être long, vous m'en excusez, mais c'est très important qu'on lise pour que, comme je le disais tantôt, que l'on comprenne exactement la nature de cet individu qui est un criminel. Et je reste convaincu, je suis très sûr, que le temps viendra, un jour viendra, où M. Bienou se retrouvera en prison. Ça, j'en ai la certitude. C'est ainsi que malheureusement, voilà, et voilà, après avoir monté des faux PV d'enquête contre moi et pas corrompre les magistrats et présidents des tribunaux pour qu'on m'enferme pour 5 ans en prison, c'est ainsi que malheureusement ou heureusement, je fus transféré à la prison centrale d'Nkonengi. Heureusement parce que mon passage en prison m'a permis de me rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'a permis de voir réellement mes ennemis en entreprise et aussi de faire de très belles rencontres avec le professeur Alain Foguet et M. Olivier Bibounissa. Bon, je vais m'arrêter là, c'est un peu très long son texte. Donc, vous avez compris exactement ce qui se passe. Donc, l'un de ses collaborateurs déclare que la somme de 7 900 000 francs CFA ont été dérobés par un employé. Donc, tout naturellement, il va porter plainte. Il se rend dans un commissariat où il porte plainte. Et il arrive là-bas, on lui dit que... déjà, on lui dit que pour faire avancer le dossier, parce que c'est les expressions au Cameroun, pour faire avancer le dossier... Il faut qu'il dépose les 500 000 francs CFA. Il dépose les 500 000 francs CFA. Plus tard, on lui dit que sa carte de séjour est fausse. Et que, voilà, pour qu'on le laisse tranquille, il faut qu'il dépose encore 500 000 francs CFA. J'espère que vous avez compris. Et ce que ce monsieur qui m'a écrit, monsieur Kouassi, puisqu'il est d'origine ivoirienne, ce qu'il ne sait pas, c'est que il s'agit en fait d'une véritable machination, d'une véritable cabale qui était orchestrée et mise en place
par M. Kouadio, puisque à l'époque où il a été arrêté, où il a été interpellé à son domicile avec son garde du corps, comme il a dit, parce qu'il avait un garde du corps, et il en a. Ce garde du corps s'est gâté avec Mbienou. Pourquoi est-ce que les deux se sont gâtés? Ce garde du corps, comment est-ce qu'il s'appelle? Je vais donner son nom, si vous me le permettez, très très rapidement. Ce garde du corps s'appelle Jonan Kepse, chef de la sécurité des établissements Biko. C'est ça, non? Voilà, Biko. Voilà. Il faut savoir que le groupe Biko, c'est eux qui ont XB Cameroun, qui ont d'autres entreprises que je ne vais pas citer ici. Donc, M. Jonan Kepse était l'aide du camp, l'ami fidèle, le très proche fidèle de Kouadio. C'est lui qui était chargé de transporter des valises d'argent, des mallettes, des cantines de billets pour corrompre les juges, pour corrompre les gendarmes, pour corrompre les commissaires, pour corrompre les commandants. Et il y a une mission que M. Kouadio donne à signe à Jonan Kepse, qui est son aide du camp. Il lui dit que même étant en prison, même le fait que M. Kouassi soit en prison, il n'est pas tranquille. Et que son aide du camp doit s'arranger à faire assassiner M. Kouassi à prison. C'est une information que M. Kouassi n'a pas du tout, que j'ai. Et ce que je dis, j'ai les preuves, toutes les voices, tous les audios sont en ma possession. Et je vais prendre tout mon... C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne publie pas les choses du Cameroun. C'est-à-dire que, voilà, les routes... Les piments info, les échouations de chemin, je n'en parlerai pas. Je vais prendre tout mon temps aujourd'hui pour publier systématiquement, méthodiquement, l'ensemble de ces preuves dont je suis en train d'évoquer. Je répète, le mari de Madame Blanche, une petite parenthèse, ma petite sœur Blanche, Mireille Blanche, tu sais, je t'avais dit une fois que la vie n'est pas un scénario. Des Bénézèques et Pompiers. Et j'étais très sûr quand je le disais. Je sais que depuis des années, depuis environ 5 ans, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans que tu es avec ce type de Kouadio, c'est lui qui finance ta carrière. C'est lui qui t'achète les sacs Gucci, Louis Vuitton, les chaussures, les voyages en première classe. C'est lui qui finance tes activités, que ce soit tes activités cinématographiques, que ce soit tes activités de business, etc. etc. C'est lui. Et je ne sais pas si tu es au courant de la vie qu'il mène. Je ne sais pas si tu es au courant que ce monsieur, il est impliqué dans des disparitions suspectes. Disparitions suspectes parce que je n'ai pas de preuves palpables. Mais toutes les informations, tous les indices le désignent. Je ne sais pas si tu es au courant. Quand je t'ai dit, par exemple, qu'il était marié avec une Russe, je suis sûr que tu as dit, ah vraiment, le gars là, il me déteste, il me sabote, il est jaloux. Je publierai les captures d'écran, les messages de son épouse russe, avec qui il est encore légalement marié. Et cette dame affirme que M. Kouadio est actuellement en train de mettre un plan en place, pour l'assassiner. C'est elle qui le dit. Et ce que je dis, des preuves, je les ai. Alors, pour ne pas m'éloigner de notre sujet, donc, M. Kouadio va demander à son aide de camp, Jonan Kepse, de faire assassiner Kouassi, qui se trouve en prison. Kouassi, c'est son collaborateur, l'Ivoirien, n'est-ce pas, qui était allé porter plainte parce qu'il y avait de l'argent qui avait disparu, l'argent d'un client. Et il demande à ce qu'il le fasse assassiner en prison. Sauf que son aide de camp, qui lui a toujours été fidèle jusqu'ici, refuse. Et lui dit que, franchement, il a toujours accédé à toutes ses demandes. Tout ce qu'il lui a toujours demandé de faire, il a toujours exécuté. Mais le faire assassiner, franchement, il n'est pas très chaud. Et j'ai des audios dans lesquels Kouadio Mbienou, le père des braves, n'est-ce pas? Le père des braves. Demanda à ce que M. Kouassi se fasse tabasser en prison, qu'il faut qu'il monte des prisonniers bandits en Koningi. Pour qu'on le tabasse, pour qu'on l'assassine,
Pourquoi les tabassons lui disent que pourquoi est-ce que tu as couché avec telle fille? Et une petite parenthèse, c'est que Kouadio a fait payer l'entourage de Kouassi, c'est-à-dire il avait des amis, des femmes, des hommes, qui se sont rendus dans certains commissariats à Yaoundé où il avait des ennuis judiciaires pour des faux témoignages. Il m'a violé, il m'a volé, il a ceci, il a cela. Donc, Kouadio donc dit à Ndjonam que je veux que tu le fasses assassiner en prison. Et que je veux que tu le fasses massacrer. Et que pendant le massacre, que les gars lui disent que ça t'apprendra à violer des gens. Ça t'apprendra à coucher avec les femmes d'autrui. Ces voices, je les ai. Et je vais les publier. Monsieur John en refuse. Son aide de camp refuse. Et il lui dit qu'il ne peut pas, il ne peut pas se lancer dans, voilà, dans cette aventure-là. Et c'est à partir de cet instant que la brouille commence entre les deux. La méfiance naît entre les deux. Entre celui qui, jadis, qui autrefois était très très proche, très fidèle, qui était le porteur de valises, le porteur de mallettes, qui était chargé d'exécuter un ensemble de choses qui étaient commanditées ou commandées par son patron, commence à s'éloigner de ce dernier. Et il commence à craindre pour sa vie. Monsieur Ndjonam commence à craindre pour sa vie. Puisqu'il connaît les méthodes. Et les méthodes de Kouadio me rappellent un certain Amogou Bellinga, qui avait à sa solde et la police, et la justice, et l'armée. C'est exactement ce que le patron de 1XB Cameroun fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a des commandants, il a des commissaires avec lui, et il y a même des voices dans lesquelles il cite le nom d'un tortionné qui est négativement célèbre au Cameroun. Celui de la Sémi, là, comment il s'appelle ? Quelqu'un, j'ai oublié son nom là. Celui de la Sémil qui est très fort pour torturer les opposants du régime de Biya. Il y a des voix dans lesquelles il le cite. Il lui dit que je lui ai confié tel dossier, je veux qu'il fasse telle chose à telle personne. Donc, comme j'ai dit tantôt, ces voix sont là. Elles, ils seront publiés au fur et à mesure. Voilà, Mbankui, merci. Dans lesquelles, les voix dans lesquelles il cite Mbankui. Donc, Ndjonam et son aide-de-camp, M. Ndjonam, qui refuse de faire assassiner Kouassi en prison. Et il commence à craindre pour sa vie, parce qu'il connaît les méthodes de son patron. Il s'éloigne de son patron. Il rentre un soir chez lui. Donnez-moi 2 secondes, il faut que je sois calé sur la date. Il rentre un soir chez lui et il découvre que sa fille a été assassiné. Je répète, celui qui fut jadis son aide-de-camp, son garde-corps, celui qui était chargé de corrompre, celui chez qui il confiait, n'est-ce pas, l'argent, les missions pour aller corrompre tel, pour aller soudoyer tel, quand il refuse de faire assassiner Kouassi en prison, il s'éloigne. Il s'éloigne et il devient automatiquement une cible de son ancien patron. Et un jour, il rentre chez lui et découvre que sa fille a été assassinée. Donnez-moi quelques secondes pour que je retrouve la vidéo très brièvement, la vidéo de sa fille qui a été assassinée à son domicile. Il est rentré à son domicile et il a découvert que sa fille a été assassinée. Je ne vais pas montrer les images parce que les images sont très effroyables. Et pour éviter, n'est-ce pas, la censure de Facebook, voilà. Je ne vais pas diffuser cette image. Donc, il rentre à son domicile et découvre que sa fille a été assassinée. Et tout de suite, il le sait, il soupçonne Monsieur Kouadio. Le mari de Muret Blanc, c'est très important de le rappeler. Mais moi, je n'ai pas de preuves. Je ne pourrais pas dire que c'est M. Kouadio qui a fait assassiner l'enfant parce que je n'ai aucune preuve. Et le monsieur en question ne m'a fourni aucune preuve. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu dans mon texte, j'ai dit que voilà, il y a une fille qui est morte de manière suspecte et que voilà, les regards sont pointés vers M. Kouadio. Mais le monsieur en question sait que
C'est la mafia, n'est-ce pas, qui se retourne contre lui. Et dès lors, il décide d'entrer en cavale. Le monsieur décide de fuir. Monsieur Kouadjo ne s'est pas arrêté là. Monsieur Kouadjo ne s'est pas arrêté là. Il a engagé un commandant, je pense, c'est ça. Il a engagé un commandant pour que ce commandant le retrouve pour le faire taire. Et quelques temps plus tard, ce commandant s'est rendu du côté de l'Ouest Cameroun où il a arrêté son frère. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez, je vais retrouver cette image où voici le message. Là, le commandant Koulou, il s'appelle Koulou. Vous voyez le nom, le commandant Koulou. Le commandant Koulou est en train de rendre compte sur WhatsApp. Vous voyez les photos qui s'embassent, photos du frère de l'ancien garde de camp, de l'ancien homme bras droit de Kouadjo. Là, c'est son arrestation je crois il a dit Bafoussam, à l'Ouest Cameroun. Donc, il a arrêté un membre de sa famille pour lui mettre psychologiquement la pression. C'est-à-dire que son frère ne connaît rien. Son frère n'a jamais été impliqué dans ses activités. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, ils ont arrêté son frère à l'Ouest Cameroun. Et c'est le commandant qui va avec des éléments, qui va arrêter et rencontrer sur WhatsApp. Exactement comme ça a été le cas avec M. Amougou Belinga, où des juges, des commissaires, des commandants arrêtent des gens, torturent des gens, font disparaître des gens et viennent lui rendre compte sur WhatsApp. Donc, c'est exactement ce que ce commandant il a fait. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont, une fois de plus, arrêté la femme de ce monsieur. Ils ont arrêté la femme de ce monsieur avec un nourrisson en main. Alors, je vais vous montrer la vidéo du nourrisson en question. C'est pour vous donner un aperçu de l'ampleur, en fait. De l'ampleur de la criminalité, de la manipulation de la justice, de tout ce que vous n'avez pas idée, dont est à l'origine le patron de XB Cameroun. Alors, je vais vous montrer la vidéo de l'enfant de cette femme qui a été enlevée par l'un des commandants qui avait été envoyé par M. Kouadjo. C'est-à-dire un nourrisson. Ils ont fait enlever Monsieur Kouadjo, le patron de 1XB Cameroun, a fait enlever un nourrisson. A fait enlever une femme. Vous voyez. Alors là, c'est l'enfant, c'est le nourrisson, là, c'est le nourrisson de la femme de son ancien bras droit qui a été enlevé, et l'enfant et sa femme, et l'enfant et sa mère, ou sa femme, si vous voulez, pour mettre la pression, en fait, la pression psychologique à son ancien garde de camp, c'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça qu'il se revendique, de se rendre, parce qu'il est question de le taire, le monsieur connaît beaucoup de choses. Et je vous ferai écouter quelques audios dans lesquels M. Kouadjo manipule la justice, demande à ce qu'on aille à la prison de Nkonengi, tabasser, massacrer son ancien collaborateur. Alors, vous me donnez quelques petites secondes, je vais retrouver ces voix. Il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine. Voilà, donc. Donnez-moi juste quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes. Alors, voici ce que le commandant et le militaire disent dans un voice. C'est-à-dire le commandant qui a été embauché par Kouadjo. Écoutez, ce commandant était à la traque en fait. Il était en train de traquer
son ancien garde-camp. Écoutez. Bon, je voulais te dire derrière ça. Là, gars, comment celui qui parle là, c'est le commandant et le militaire en fait. Écoutez. Reste à l'écoute, je suis dehors. Hein? Oui, je suis à l'écoute, moi. Oui, reste à l'écoute. Je vais te faire signe là, je suis dehors. J'étais chez lui là, on a trop campé, il n'est pas là donc. On est en train d'aller au deuxième point. Ils étaient chez lui, ils n'étaient pas là. Ils ont campé autour de son domicile pour l'enlever. Soit pour l'enlever, soit pour le faire disparaître, soit pour l'assassiner. C'est-à-dire les mêmes méthodes qui se sont déroulées avec l'affaire Martinez-Ogo. Ils étaient autour de son domicile. Là, c'est un commandant qui s'exprime. Et il est en train de rendre compte à Kouadio, le patron de 1 Isbe Cameroun. On était autour de son domicile, on a campé et on ne l'a pas trouvé. Okay. D'accord, donc reste à l'écoute, c'est bon. Ça va, c'est Jérôme. Il faut qu'on... Tu vois ce que le boss t'a dit. Reste tranquille. C'est moi qui te dis, okay. Je suis ton gars. Okay. D'accord. Okay. On va continuer. On va continuer très vite fait. Alors, là, c'est Monsieur Kouadio. Là, c'est Monsieur Kouadio, le mari de... Voilà. Le mari de la Beyoncé du Cameroun. C'est lui-là. Avec son actuel garde-camp. C'est lui maintenant qui est chargé, cet homme ici qui est à ma droite, il doit être à votre gauche. C'est lui qui est chargé maintenant d'exécuter, n'est-ce pas, le sale boulot. C'est lui là. On va continuer avec les voices. Jusqu'à. Alors là, ce sont les voices. Ça, là, c'est le patron de ce monsieur Kouadio qui s'exprime. Faites que vous devez camper là-bas jusqu'à l'heure que le car va venir les chercher. Il faut camper. Il faut camper là-bas. Là, c'est Monsieur Kouadio qui répond. Il faut camper là-bas jusqu'à l'heure que camper là-bas autour de son domicile. Camper là-bas. Camper là-bas. Toutes les positions des gars qui viennent intervenir là. Regardez et vous m'envoyez les photos des gars là. Tous les gars qui viennent pour dire qu'ils viennent intervenir là. Donne à faire 4. Tu vas donner à faire 4 millions. Tu es avec lui déjà. Va donner Hubert, appelle Kiki, tu donnes à Kiki 1 million. Appelle Kiki, tu donnes à Kiki 1 million. Bon, le Kiki, je ne sais pas. Est-ce que c'est un gendarme? Est-ce que c'est l'un de ses hommes de main? Je ne sais pas qui est Kiki. Appelle Kiki, tu lui donnes 1 million. Tu donnes à Kiki 1 million. Tu lui dis que les 500 là, il envoie au monsieur qui voulait envoyer là. Les 500 là, il donne au grand. On va le condamner. Oui, je viens d'appeler Père Tankwa là, il m'a dit non, je viens d'appeler mon papa là. Moi, je vous ai le lui-même, il est discret, non. Je sais pas si c'est moi-même, je ne sais même pas que c'est moi, il ne pouvait pas accepter qu'on travaille à Ouadia, qu'on travaille là. Voilà, il a dit que c'est faux, il ne doit pas passer devant le greffier en chef. C'est le procureur qui doit le placer directement. Le procureur qui doit le placer directement. On ne doit pas envoyer une information. Alors, ça c'est quand M. Kouadio intervenait dans la procédure judiciaire qui avait été engagée contre son ancien collaborateur. Donc, il chargeait ses hommes de main de distribuer l'argent à tel procureur, à tel magistrat, à telle personne, à telle personne. Il dit que c'est faux. Il va passer faire quoi devant le greffier en chef? Que c'est le procureur qui doit le mettre mandat de dépôt. Il va d'abord aller en Konigi. Attendre que moi je rentre du voyage. Quand je vais rentrer, maintenant que on voit encore le juge, une fois on nous condamne, au moins 5 ans. C'est lui qui parle. Il était très sûr de lui en fait. Il avait remis la somme de 5 millions de francs CFA à un juge, je crois une juge, si je ne raconte pas de bêtises, pour condamner son ancien collaborateur à 5 ans de prison. D'après ce que son collaborateur m'a dit, qui est aujourd'hui en liberté, m'a dit qu'il rend grâce parce que le Cameroun n'est pas totalement pourri. Cette femme qui était juge avait refusé de l'envoyer en prison pour 5 ans parce qu'il n'y avait aucune preuve. Il n'avait aucune preuve, n'est-ce pas, qui devait l'envoyer en prison. Moins 5 ans dedans là-bas. Il l'ancre encore là-bas. Je m'en vais encore voir encore le
le régisseur. On le mate là-bas bien. Même étant en prison, je vais aller voir le régisseur pour qu'on le mate. C'est quoi, Joe? Et j'ai vu quelqu'un a tagué les... Comment il s'appelle les pupas voisins. Je vais vous dire quelque chose que... Je sais qu'après mon direct, les petits blogueurs du Cameroun, là, hein, les petits affamés du Cameroun, là, il va aller vous voir là. Il va vous donner chacun 150 000 francs, 200 000 francs, CFA. Et les messages de soutien, les publications de soutien à tel, ça va pleuvoir. Comme ça a été le cas, je crois, la semaine passée ou la semaine suivante. Voilà. Et vous êtes nombreux, mais vous êtes tellement petits, en fait. Moi, je vous conseille de rester dans vos affaires de piment, dans vos affaires de tel artiste, machin, son caleçon se retrouver sur telle toiture. Voilà. Quand il s'agit des choses sérieuses, je vous conseille de rester très, très loin. On doit le placer directement. C'est quand je vais rentrer du voyage qu'on va l'envoyer à l'information, on va le condamner. Bien. Ça veut dire que les gars, là, ont passé des coups de fil. Ça veut dire que les découpères sont là. Ils sont en train de préparer quelque chose. Il faut qu'on se prépare. Parce que comme il veut monter la mafia, nous, c'est la mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Comme il veut jouer sur la mafia, on va essayer de la mafia. C'est monsieur Kouadjo. C'est lui. Tu vois, non. Tu vas ça prêt à main. Si y a... Oui, tu vois, non. Comme tes gars qui sont en prison, là, comme sont eux qui gèrent le transfert des prisonniers. Apparemment, ce matin, là, il y a une vague qui va monter au tribunal, au parquet là-bas. Il y a une vague qui va monter au parquet. Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais en principe, je pense qu'il devait passer aujourd'hui au parquet. Et comme je ne suis pas là, les gars là-bas vont faire renvoyer ça même dans un mois. Le jugement. Mais prends d'abord l'information, tu me dis. Alors, je vais mettre une petite pause à ces différentes écoutes. Lorsque la fille de son ancien garde de camp décède, ce que le patron 1XB du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme russe, à l'époque qui était à Yaoundé. Sa femme russe. Et il dit à sa femme russe, il y a trop d'instabilité au Cameroun, il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun, et moi, je ne voudrais pas que tu restes ici. Il y a beaucoup d'insécurité parce que la preuve en est que la fille de mon collaborateur, de mon bras droit que tu connais a été assassinée dans des conditions assez étranges. Et je ne voudrais pas que tu restes au Cameroun parce qu'il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun. Donc, je vais te conseiller d'aller en Russie, de rentrer en Russie et d'attendre le temps que la situation, n'est-ce pas, d'insécurité au Cameroun se calme. Et je te ferai revenir par la suite. Sauf que M. Kouadjo, son plan, c'était quoi? Son plan, c'était de faire partir la fille, sa femme, et par la suite, de contacter son avocat et de saisir la justice pour que la justice constate, en fait, l'abandon de foyer par son épouse. Et c'est ce qu'il a fait. Et ces documents, je les ai avec moi. Et ces documents, je les ai avec moi que je vais publier après mon direct. Donc, est-ce que c'est lui qui a fait assassiner cet enfant? Je n'en sais rien. Mais la mort de cet enfant a été, n'est-ce pas, pour lui, une occasion d'exécuter un schéma bien précis. Parce qu'il avait déjà le schéma d'épouser Muriel Blanche. Sa femme étant au Cameroun, ça devait être compliqué. Et il fallait éloigner le plus vite, le plus loin possible sa femme russe, avec le prétexte de l'insécurité qu'il y a au Cameroun, des assassinats, machin. Donc, il a fait partir la fille en Suisse. Et par la suite, donc, il a pris son avocat, ils sont allés à la justice, dire que voilà, ma femme a abandonné le foyer. Constatez vous-même, elle a fui le mariage. Donc, moi, je veux divorcer. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa femme, donc, apprend depuis la Russie que... Le monsieur veut, son mari veut divorcer au Cameroun et que son mari l'accuse d'avoir abandonné son foyer. Son mari l'accuse d'infidélité. Et quand sa femme essaie de comprendre ce qui se passe, des menaces de mort. Je vais lire les messages de sa femme là. Voilà, je vais les lire, ces messages que j'ai. Il a fait parvenir des menaces de mort à sa femme légale en fait. Parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, ils ne sont pas divorcés. Ils ne sont pas divorcés.
Je vais lire le message de sa femme. C'est les messages là. Steven m'a menacé, j'ai dû quitter Dubaï. Je suis en sécurité ici, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est en sécurité. Steven a menacé de me tuer. Le message, il est là, pour ceux qui peuvent lire. Voilà, il n'y a pas de numéro de téléphone. Steven a menacé de me tuer. Il a eu le message. Le message, il est là. C'est sa femme russe qui le dit. Steven a menacé de me tuer. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Le message, il est là. Alors, je lis pour vous. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Il écrit que je me suis enfui de lui il y a un an et qu'il ne sait pas où je suis et qu'il n'a aucun lien avec moi. Pourtant, nous communiquons constamment. Avec lui, nous rencontrions à Dubaï. Il était à Dubaï avec moi mi-juillet 2023. Le message, il est là. Pendant ce temps au Cameroun, avec son avocat, il dit que la femme a fui le foyer, il ne sait pas où la femme se trouve, parce qu'il a des projets de se marier avec une grille blanche. Et il fallait fuir, il fallait aller se cacher en Tanzanie pour épouser Muret Blanche. On continue. Il m'a trompé pendant très longtemps et maintenant il me poursuit en justice et menace de me tuer. C'est le message de son épouse, la Russe. Le message, il est là. Le message, il est là. Steven est allé devant un tribunal, a payé beaucoup d'argent et il a divorcé illégalement en un jour. C'est le message de la femme en question, c'est là. De sa femme russe. Alors, ce week-end, sa femme encore une fois le dit, ce week-end, il tente de se marier une seconde fois à Zanzibar avec Muriel Blanche. Vous voyez donc que sa femme vient sur Facebook, elle dit que voilà, ce qui se dit c'est faux. Mais en inbox, c'est pas le même discours. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. Le message, ça c'est sa femme. Vous connaissez la chanson. Quand la femme se fâche, oh, le secret est dehors. C'est là. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. En août 2019, il sort de prison et a un bébé avec une femme au Gabon. Ça, c'est sa femme qui le dit. Hein. Donc, pour lire, je vais lire. Voilà, je vais lire très rapidement. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Quelle fille? La petite fille, c'est sa femme qui le dit. Le message, il est là, il est encerclé. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Donc, peut-être qu'elle en sait davantage que moi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore dans ce message? Voilà, elle dit Catherine, elle s'appelle Catherine, la Russe. Catherine est un nom russe, c'est un nom slave. Et elle dit que nous, les Russes, on ne se laisse pas faire. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que je peux. Voilà, les voices, comme tantôt, je voulais, les voices sont pleins. Voilà. Les voices sont nombreux. Avec CV. Oui, on a parlé, on a tout calé. Ici, c'est quand il demande un arrangement à l'amiable, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire supprimer, pour faire taire son ancien bras droit. Ça n'a pas marché et il essaie, peut-être pas, c'est une ruse en fait, peut-être qu'il a opté pour la stratégie de la ruse. Il essaie de demander un arrangement à l'amiable. Il m'a dit ça. Et il m'avait un peu trop pressé là. Parce qu'il n'était même pas avec la. Avec. En fait, il n'était même pas. C'est comme s'il était un peu malade, même quoi. Il a tout petit point déjà là. Apparemment, il a dit ça. Il a dit qu'il avait rendez-vous à Galim, je ne sais pas trop. Oui. Donc, on a parlé et je lui ai dit ce que je vais lui proposer. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, il va voir avec toi. Maintenant, comme tu as dit qu'il faut réajuster là, bon, je vais encore parler avec lui, tu vois. Ok, bon. Et comme c'est lui qui est jeune intermédiaire là, mais il est jeune avec lui. Donc, je vais parler avec lui. Et là, il m'a dit qu'il va me faire signe lui-même. Parce qu'il dit que là, il parle, il a des problèmes, les réseaux, c'est comment là. Ce n'est pas stable. Quand ça va se stabiliser,
Il va m'appeler, il va. Moi, je n'ai même pas besoin de traiter quelque chose avec CB parce que même à lui, là, moi, je ne lui fais pas confiance. Moi, je t'ai expliqué ce que moi, je veux. Moi, je veux m'appeler partir d'ici avec ma famille. Est-ce que moi, je t'ai expliqué. Okay. Moi, je ne veux pas moi les problèmes avec qui ou avec qui que ce soit. Parce que toi-même, ce qui s'est passé. Allô? Oui. J'ai dit que ce qui s'est passé là, c'est que parce que les gens m'ont contacté, je dis ok, écrive même, je ne réponds pas. Moi, je ne veux pas, tu es mon frère du village, je t'ai dit ça depuis hier. Parce que même si c'est qu'on n'est plus de ce monde, même au village, on va se rencontrer, même en esprit. Moi, je ne veux pas moi les problèmes. Je t'ai expliqué que voilà. Toi-même, tu connais comment ça se passe là-bas d'ailleurs. Moi, il ne peut plus vivre ici. Oui, bonjour Hubert. Là, c'est que je n'ai pas eu le temps, je vais taper mon compteur parce que je n'ai pas eu le temps. Mais voilà ce qui m'a été dit. J'ai causé mon petit. Mon petit m'a expliqué les choses. Ce que tu dis, c'est qu'il t'a expliqué que les 15 bâtons qu'on lui a donné à ma mère, hein, il ne t'a pas dit la vérité. D'abord, hein, qu'il a eu sa part, il ne t'a pas dit la vérité. Et dans le cas, même s'il n'a pas eu, il cherche à s'approcher, à demander, à faire tout. Les menaces qu'il va finir sa race. Non, man, qu'il là lui-même là. Il croit qu'on ne croit pas chez lui. On ne croit pas ses enfants. On ne croit pas sa famille aussi. On connaît qui va finir avec la race de qui. C'est un gendarme, man. Ce n'est pas un colonel, un lieutenant, un ministre, ni. Même les ministres, on t'aimait. Tu comprends, non? Si, mais... Même les ministres, on t'aimait. Donc là, c'est. D'après ce que j'ai appris, c'est son grand frère. C'est le grand frère de Kouadio. Bon, je ne sais pas si c'est son grand frère dans les affaires, dans la mafia, dans la pègre, je ne sais pas. Même les ministres, on t'aimait. Et je vais vous montrer un dernier élément, une dernière vidéo. Voilà. Ça, c'est comme ça l'argent. Regardez. C'est avec cet argent que le patron de 1 Isbé Cameroun fait corrompre des commissaires, des commandants, des juges, des magistrats. Je ne veux pas montrer le visage de celui qui manipule l'argent. Vous avez vu? C'est la guerre, gars. 500 bâtons, on peut chop ça le tout là. 500 millions de francs CFA. On peut pas voler ça, c'est la guerre. Les jamboteurs là, vous voyez là où votre argent part? Voilà votre argent. Les jamboteurs de 1 Isibé Cameroun. Votre argent c'est à payer des magistrats. À payer des commissaires, à payer des commandants, à payer des équipes chargées d'enlever, chargées de traquer, chargées d'assassiner, chargées de faire disparaître des Camerounais. C'est là. On peut aborder ça, gars. Vous voyez? Donc, je vais le rappeler une fois de plus. Je suis sûr, je suis très sûr que à l'heure où je parle, ma petite sœur Nkamche est certainement là en faux profil ou quelqu'un va lui envoyer, je ne sais pas, le lien du direct par la suite. Et j'aimerais lui dire qu'elle est très jeune et que mon souhait, c'est qu'elle demeure, n'est-ce pas, elle soit sur le tapis rouge à Hollywood, tu sais pas où. Et qu'elle est très jeune. Et qu'elle est très jeune. Et que je... Elle est jeune pour vivre. Elle fait un métier qui lui donne ses petites miettes. Et qu'il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard pour renoncer au mauvais chemin. Au mauvais chemin qu'on emprunte. Alors... Avant-hier, j'ai regardé la série La Bataille de Chéré. Vous savez, ils ont tellement fait de propagande autour de cette histoire que, par curiosité, je suis allé regarder et j'ai constaté que, que le film, en fait, avait pour sujet principal des femmes qui se battaient pour un homme. Des femmes qui se battaient pour un homme marié. Et dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'un Kamche est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle arrache le mari d'une femme qui est légalement mariée et que parce que c'est ce monsieur qui finance sa carrière depuis des années, qui paye son logement, qui la fait voyager en classe affaires, qui lui fait faire
des achats, du shopping sur les Champs-Élysées, un peu partout dans le monde. Et que peut-être elle s'est cru qu'il fallait lui. Il fallait le récompenser en l'épousant. Qu'elle sache dès l'instant que ce monsieur, c'est un criminel. C'est un criminel qui a. Elle qui est mère d'enfant. Comme tu as une fille. Tu as une fille, un enfant, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas si elle a 8 ans, 12 ans, je n'en sais rien. Mais sache que dans cette histoire, il y a un enfant qui a été assassiné. Un enfant qui a l'âge de ta fille qui a été assassiné. Donc, ton actuel époux est fortement suspecté d'avoir commandité le meurtre de cet enfant pour faire taire, n'est-ce pas, l'un de ses anciens collaborateurs, ou du moins son bras droit. Que ton mari, ton actuel mari, a fait enlever une femme et son nourrisson. J'ai montré là tout à l'heure les images du nourrisson. Que ton mari envoie des gens à la prison de New Bell. Peut-être que c'est pour ça que tu l'avais imité en faisant enlever un blogueur à Douala. Une petite parenthèse, c'est important que je le précise. C'est ton droit le plus absolu de porter plainte contre X ou Y si tu estimes qu'il t'a diffamé, il t'a insulté, je ne sais pas, c'est ton droit. Mais les méthodes, fait kidnapper les gens, fait enlever les gens, sans que la famille de cette personne ne soit au courant de sa situation pendant des semaines, et que lorsque l'on dénonce cette façon de faire dans les réseaux sociaux, après la publication que j'avais faite, et que quelques minutes après, tu te filmes sur les Champs-Élysées avec des lunettes, et ta perruque, et tes cheveux factices, que tu montres comment la vie elle est très belle, tu t'en fiches, j'aimerais que tu prennes en compte ce que je te dis. Et je suis sûr et certain qu'il va y avoir des répercussions. Il ne faudrait pas que ce jour-là, tu dises que « Ah, je ne savais pas. Ah, je n'étais pas au courant. » Si tu n'as jamais été au courant que ce gars, si c'est un criminel, que ce gars fait enlever des mamans avec le nourrisson, que ce gars est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'une fillette, que ce gars envoie des gens en prison et demande au juge de les condamner à 5 ans de prison. Ça, je peux le prouver parce que j'ai ici des éléments avec moi qui étaient ce que je dis. Que ce gars corrompt la justice, il corrompt tout le monde, qu'il a constitué un groupe de personnes qui sont chargées de traquer des citoyens, d'enlever des gens, de passer des gens à tabac ou peut-être de faire disparaître des gens. Je ne sais pas combien de personnes ont été victimes, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire comprendre, pour revenir sur le bon chemin. Parce que quand demain, il ne faut pas que demain tu viennes dire « je n'étais pas au courant, je ne savais pas ». Maintenant, tu le sais. Il faut savoir que les hôtels luxueux dans lesquels tu dors, que les restaurants cossus dans lesquels tu dînes, tu manges, que les premières classes, là, dont les avions que tu prends, que tu saches que tout cela est financé avec l'argent d'un criminel, parce que c'est un criminel. C'est un criminel et il n'est pas différent d'un certain Amogo Bellinga. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi est-ce qu'il avait fait la prison au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a un enfant au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fait partie sa femme russe qui était logée à Yaoundé, qu'il a fait partie en Suisse? Pardon, il a fait voyager en Russie, je pense, ou à Dubaï, prétextant que le Cameroun, il y avait beaucoup d'insécurité, on tuait des gens, machin, truc, et que c'était son plan, peut-être votre plan, peut-être que lui et toi, vous étiez au courant, c'était votre plan, ça venait de vous, et qu'une fois que la femme est partie, il est resté saisir la justice, affirmant que sa femme avait abandonné le foyer. Il est important que tu le saches, tu es très jeune, tu as une vie à construire. Tu as une carrière à construire. Le 2 septembre, là, vous vous êtes mariés comme des bandits en cachette. Moi, depuis que je suis né, on m'a toujours appris que le mariage était l'occasion pour deux personnes de célébrer leur joie, leur bonheur. Et quand on est content, quand on célèbre son bonheur, sa joie, mais on invite les personnes, on invite les gens à partager ce moment avec vous. Vous êtes parti vous marier en Tanzanie comme des bandits, comme des malfrats. Vous avez fui le Cameroun en cachette, en catimini. Et pendant là-bas, pendant le mariage, vous avez interdit à tous les invités d'être présents sur le lieu avec les téléphones portables. De cacher, de ne pas avoir le téléphone portable. Parce que vous aviez peur qu'on filme et qu'on envoie un jugement. Mais moi, je vais te dire, petite soeur, que
Ces photos, je les aurai. Il y a un sujet plus important pour l'instant sur lequel je dois, voilà, je dois m'exprimer. Mais les photos là, soit tu vas publier toi-même ces photos, soit je vais les publier. Et je prends toujours mon temps pour le faire. Donc, je ne vais pas être très très long. Il était question de, qu'ici, lors, n'est-ce pas, de cet exercice, que j'essaie de exposer le visage de cet individu qui est adoré par beaucoup de blogueurs, parce qu'il faut savoir que ce soit des blogueurs, que ce soit des journalistes, ce qu'ils appellent des influenceurs au Cameroun, des personnages ou des personnalités du showbiz, ce sont des personnes qu'il arrose constamment avec des millions, avec de l'argent. Vous allez voir que dans les minutes ou dans les heures qui suivent, ils vont multiplier des publications, voilà, des publications de motions de soutien, de mes encouragements, de je te soutiens, etc., etc. C'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça a toujours marché. Et c'est des pratiques, comme je le disais tantôt, qui s'apparentent à, voilà, à celles d'un certain Mugu Bilinga. À chaque fois qu'il était cité dans telle malversation, dans telle polémique, il y avait des journalistes, des blogueurs, tout de suite, soutien, soutien total à Sa Majesté, soutien, soutien. Jusqu'à ce que ce soutien se termine à la prison de Nkoningi aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive avec, c'est ce qui va se passer avec Kouadio. Je ne sais pas exactement quand, mais ce gars est un criminel et sa place, c'est en prison. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas, mais ça va arriver. Alors, je vais prendre congé de vous et je ne m'en irai pas sans vous rappeler ce que je vous ai dit. Tout ce qui a été dit lors de ce direct, je vais les publier concernant les voices, les messages audio dans lesquels M. Kouadio demanda à ce qu'on fasse tabasser, qu'on massacre, qu'on assassine son ancien collaborateur qui se trouvait à l'époque à la prison de Nkoningi. Voices dans lesquels il demandait à tel commandant, à tel commissaire, à tel magistrat d'interpeller tel, de donner tel nombre d'années à celui qu'il considérait comme son adversaire. Tous ces éléments sont avec moi et ils seront publiés bientôt, très bientôt après mon direct. Donc c'était un plaisir d'avoir, de m'être livré, n'est-ce pas, à cet entretien avec vous aujourd'hui. Et comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de faire des directs parce que je suis plus à l'aise avec des publications, avec des sorties écrites. Et j'espère que très prochainement, peut-être demain, peut-être après demain, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas quand, on aura l'occasion, on aura l'opportunité une fois de plus de se retrouver. Alors, je vous souhaite un magnifique week-end et on se dit à la prochaine. Merci et très très bonne fin de journée à tout le monde. Ciao, ciao.